décidé de vous faire cette vidéo dehors parce que j'espère que vous l'entendez. Les oiseaux chantent et ça, c'est notre plus belle récompense. J'adore entendre chanter les oiseaux, c'est juste magnifique. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde et j'en suis désolée. Mais avant tout, je voudrais apporter toutes mes condoléances à tous ceux qui sont décédés depuis cette pandémie, toute cette épidémie de virus, que ce soit à cause ou pas de ce virus. Toujours est-il que je suis du fond du cœur avec tous ceux qui ont perdu un proche suite à ce qui arrive en ce moment. Mais le fond de ma pensée, le fond de mon cœur, c'est de vous dire que ce qui arrive au final n'est pas si mal que ça. Moi, je vois avec cette épidémie, cette pandémie, une façon de ralentir la vie sur la Terre, parce que la Terre est à bout. La Terre n'en peut plus. Le système a fait en sorte que cette planète s'effondre petit à petit. Et ça, eh ben on le paye maintenant. Enfin, on le paye oui et non, parce qu'au final, je pense que c'est une bonne chose. Moi, on m'envoie l'image d'un château de cartes qui s'écroule. Un château qui était branlant depuis de très nombreuses années et qui trouve là sa fin, tout simplement. C'est à nous maintenant de faire le choix, parce que un choix s'impose. Soit on continue à croire que les choses vont s'arranger, que on n'y peut rien, que de toute façon c'est comme ça, que les gens qui vont perdre leur emploi et tout, bah, c'est à la faute du système, et que nous, bah, on suit. Soit on se dit que finalement c'est une bonne chose, que c'est le moment de changer notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de s'alimenter, notre façon de vivre au quotidien, notre façon de penser, d'arrêter la peur. Écoutez-moi. Notre façon d'arrêter la peur, parce qu'au final, c'est global, la peur est partout. Hein. On nous parle de tous les gens qui sont décédés, soi-disant, à cause du virus, mais on ne nous parle pas des gens qui ont été infectés et qui ont survécu. On ne nous en parle pas de ça. Non, bah non, faut pas. Faut pas, parce que ça créerait un espoir, hein, et les gens se raccrocheraient à cet espoir, et du coup, bah, ça ferait monter les énergies, et la peur n'aurait plus de raison d'être, forcément. Et là, le système, comme il voit que le château de cartes s'écroule, forcément, bah, le fait d'avoir la peur, et donc de ne pas nous annoncer de bonnes nouvelles, mais nous annoncer que des mauvaises, est en fait une façon à lui de nous maintenir sous son... je ne trouve pas le mot. Sous son dogme, sous son système, finalement. Voilà. Donc, le fait que... Parce qu'on nous dit que toutes les grandes surfaces sont approvisionnées, oui, mais jusqu'à quand? Puisque les gens ont tellement peur qu'ils vont faire des réserves, qui serviront ou pas, à voir. Tout dépend de leur façon de penser et de leur façon d'être. Et je me dis que, au final, si on a confiance, si on reste centré et que si on ne cède pas à la peur, si on ne cède pas à la peur que ce système veut absolument qu'on ait et qui veut absolument qu'on fasse partie, de façon à rester bien bas dans les énergies et de ne pas monter, parce qu'en fait il ne veut pas qu'on monte, parce que plus on a peur et plus l'énergie de la peur augmente et plus on a des chances de tomber malade, forcément, puisque la peur, c'est bien connu, et ça tous les scientifiques, que vous y croyez ou pas, hein,
tous les scientifiques prouvent que la peur est ce qui tue le plus. Aucun virus sur Terre, aucun microbe, aucune pandémie ne tue plus que la peur. Et quand vous aurez compris ça, vous n'aurez plus peur. Et donc vous serez apte à devenir indépendant et à faire vos propres choix de par vous-même. Là, on nous dit que, attention, on n'aura pas un vaccin avant au moins 3-4 mois, ce qui va nous pousser facilement jusqu'en juillet-août. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que ceux qui n'ont pas été contaminés ou qui ont été des porteurs sains et qui se feront vacciner, par contre après ils auront le virus, oui, parce que le virus est dedans forcément, hein, puisque c'est le but du vaccin, c'est de mettre un virus non actif dans le vaccin de façon à ce que votre corps déclare des immunités contre ce virus. Bien sûr. Sauf que, en plus du virus, vous aurez tous les adjuvants qui, eux, vont diminuer vos défenses immunitaires. Et de par le fait, le virus, il va s'installer pour de bon. Voilà. Alors, à vous de voir si vous le voulez ou pas, ce vaccin qu'on va vous proposer. À vous de voir si vous voulez vraiment être malade et rester dans le système de la peur, ou si vous voulez y échapper et vivre votre vie au quotidien en faisant naître de bonnes vibrations, en faisant ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, vous, à l'instant présent, et d'être dans la joie, parce qu'au final, tout ce qui naît meurt un jour. Alors bien sûr, on est tous en train de se dire, le plus tard possible, c'est certain, le plus tard possible. Hein. Et ce que j'ai dit à ma fille l'autre fois, c'est que je suis très, très heureuse. Vous allez me prendre pour une folle, hein, ça y est, c'est certain, c'est bon, j'ai pété un câble, mais croyez ce que vous voulez, peu importe. Même si c'est vrai que je ne suis pas tout le temps sereine, je ne suis pas tout le temps sereine. Parce que même si je n'écoute pas les informations, il y a toujours des bribes qui vont à droite et à gauche. Et voilà. Donc même si je ne suis pas sereine, ce n'est pas la peur qui me domine. Quand la peur est là, je la chasse. Ce n'est pas la peur qui me domine. Donc à partir de là, je me dis que... Et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. Quand... prenant des précautions, en développant l'immunité de votre corps, il y a de grosses probabilités que vous ne l'attrapiez pas, ce virus. Et il y a aussi de grosses probabilités que vous continuez à vivre et que vous voyez l'évolution de ce qui va se passer. Chose que je vous ai déjà dite dans des vidéos précédentes. Il faut remonter un peu, il faut aller sur la chaîne et remonter un peu. Avant ce que je vous avais dit pour mon changement, une nouvelle étape, j'avais fait plein de vidéos là-dessus, plein. Ah, j'ai été prise pour une folle, pour une dératée, pour une limite, une aliénée. Hein. Puis on n'y fait pas trop attention à ce qu'elle dit, parce qu'elle raconte n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui, on y est. Tout ce qu'on vous a dit, les autres, beaucoup de lanceurs d'alerte, beaucoup de personnes comme moi, nous ont dit que ça allait arriver. Et on est dedans. Le château commence à s'écrouler. Les bourses se cassent la gueule. Et tout tombe. Les gens ont commencé à perdre leur emploi. Ils perdent leur emploi. Et ils vont perdre leur emploi. Parce que il faut qu'ils se disent que s'ils perdent leur emploi, c'est que l'emploi qu'ils ont n'est plus en adéquation avec ce que la nouvelle Terre demande. Alors il y a un petit aparté sur la 5D, la cinquième dimension. Ah. Là aussi vous allez me prendre pour une cinglée, mais peu importe, je m'en fiche, hein. Rien à faire. La 5D, beaucoup y sont déjà. Ah ouais,
Ouais, je raconte des blagues, hein? Ouais. Ben non. Beaucoup y sont déjà. Et beaucoup ont cette subtilité, vivent dans cette subtilité, dans ce bien-être. Le monde de la 5D n'est pas très différent de celui-ci. Ça se joue au niveau des énergies et des vibrations. Alors, c'est vrai que la 5D n'est qu'un changement de vibration, un changement d'énergie. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer, un monde différent. Oui, il est différent, bien sûr qu'il est différent. Il est différent au niveau des subtilités énergétiques, il est différent au niveau des vibrations, et il est différent parce que dans la 5D, tout est plus clair, il y a plus d'amour, plus de partage, et c'est ce qu'on veut en fait, c'est qu'il y ait une équitabilité qui s'installe, hein, que tout soit partagé entre tout le monde, que ce soit l'argent, que ce soit tous les moyens, qu'ils soient financiers, de santé, de tout en fait. Et la 5D, c'est ça. C'est la subtilité des énergies. Donc si vous voulez rester en 3D et que ce système vous convient et que vous attendez avec impatience un traitement pour ce virus et que vous attendez avec impatience un vaccin qui va vous soigner, qui va vous guérir, ben, je suis désolée de vous le dire, mais le château de cartes, il s'écroulera avec vous. Par contre, si d'un autre côté, vous laissez tomber le système, si vous ne croyez absolument pas ce qu'ils vous disent, si vous sortez du système de la peur, vous allez monter en énergie, vous allez monter en vibration, parce que vous ne verrez que les bons côtés. Vous entendez les oiseaux qui chantent là? Voilà. Voilà. Restez centré là-dessus. Restez centré sur la vie. Restez centré sur les bonnes choses. Restez centré sur le soleil. Restez centré sur la lumière divine. C'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Et non pas de céder à ce qu'on veut que l'on cède, c'est-à-dire la peur, de façon à faire monter tout ce qui est mauvais, de façon à faire en sorte que personne ne quitte ce système et que le château de cartes s'écroule avec un maximum de gens. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que de temps en temps, vous allez encore dire que je suis complètement à l'ouest, hein, que le soleil du sud me tape un peu trop sur la tête. D'ailleurs, c'est très bon le soleil, hein, parce que pour la vitamine D, c'est idéal, hein. Vous n'avez pas besoin de piqûres, vous n'avez pas besoin de... Non, juste un peu de soleil et ça ira. Si je vous dis ça, c'est parce que j'y suis allée dans la 5D. Ouais. J'y suis allée. Subtil. Les vibrations sont géniales. L'énergie est top. Et mon souhait le plus cher aujourd'hui, avec cette vidéo, c'est de faire en sorte que beaucoup d'entre vous y aillent dans la 5D. Ouais, beaucoup d'entre vous. Montez vos énergies, montez vos vibrations, restez centrés. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, recentrez-vous dans votre âme, dans votre âme, dans votre cœur, là où est la vraie vie, là où sont les bonnes choses. C'est là que vous aurez la solution à tous vos problèmes. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez ce qu'ils vous disent. Ne cédez pas à la peur, restez centré et faites confiance. Voilà, bah écoutez, on est le dimanche 15, pardon, jour d'élection, hein? Alors bon, bah, donnez votre pouvoir à qui vous voulez. Petite parenthèse pour ceux qui ne se seront pas désabonnés d'ici la prochaine vidéo. Mais, vous verrez sur ma chaîne que j'ai créé des playlists. Alors il y a une playlist pour la nouvelle étape, vidéo d'aujourd'hui. Il y a une playlist pour la guidance. Et il y a une playlist pour les petits bonheurs de Maria.
Donc à vous de faire votre choix. Si quelle vidéo vous parle le plus et celle que vous voulez regarder à l'instant T, à l'instant présent. Voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner, hein. C'est quand même bien pour ceux qui sont aussi frappadingues que moi, hein, pour ceux qui voient la vie du bon côté, qui sont dans le monde des bisounours, hein, comme on me dit souvent, mais t'es dans le monde des bisounours, ma fille, mais ouais. Mais moi, le monde des bisounours, c'est le monde de la lumière. Je suis consciente de ce qui se passe sur Terre, mais je veux pas y adhérer, je veux pas. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, partagez la vidéo, et d'ici une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, soyez en paix, et portez-vous bien. Bye.